Mais bon, c'est comme ça, tu mérites. Ouais, c'est bien. C'est bien. Mesdames et messieurs les représentants de l'Académie, monsieur Léandry et madame Bourgois, madame Guérin du réseau Canopé, mesdames les enseignantes, j'en vois quelques-unes, mesdames et messieurs les parents, chers petits apprentis, il y a encore peu de temps, j'ignorais complètement ce que c'était le Fab Lab. Grâce à vous, j'en sais un peu plus sur le sujet aujourd'hui. En effet, notre école bénéficie depuis le mois de janvier, et ce jusqu'à la fin de l'année, donc c'est pas une année complète quand même, de l'aide scolaire de matériel mis à disposition dans le cadre d'une expérimentation. Grâce à vous, les élèves ont pu découvrir et expérimenter divers matériels, tels que la machine à coudre. J'aurais besoin de leur service. Je sais pas, moi. Imprimante 3D, carte électronique programmable, mais je n'en dis pas plus parce que vous allez découvrir tout ça lors de votre visite. Et en passant, ils ont également expérimenté le recyclage, parce qu'apparemment, ils ont utilisé des restes de fils et de tissus. Donc je crois que là, on peut les féliciter. Le matériel mis à leur disposition leur a permis de mieux appréhender les nouvelles technologies, de leur faire acquérir des compétences par le biais de situations concrètes, avec des supports différents de ceux auxquels ils s'étaient habitués, afin de mieux les préparer pour la suite de leur parcours. Modifier, s'adapter, analyser, corriger, s'entraider, s'encourager, et ça c'est Émilie qui me l'a dit. Ce sont des verbes qui ont maintenant du sens pour eux. Ils ont également compris qu'ils avaient le droit à l'erreur, ce qui les motive d'autant plus. Mais cela n'aurait jamais été possible sans une équipe enseignante expérimentée et dynamique, qui encourage les élèves, favorise les échanges de compétences, et ce, depuis leur entrée en petite section maternelle. C'est une équipe, du début à la fin, voilà, c'est ce que je voulais insister là-dessus. Et tous les ans, en juin, je vais à la rencontre des élèves de CM2. Émilie Bonny, tous les ans, je les rencontre avant qu'ils partent, en fait, au collège. Et moi, je leur transmets ce message. Ayez confiance en vous. L'enseignement de qualité que vous avez prodigué à l'équipe enseignante depuis votre entrée dans notre établissement est un atout pour la suite de vos études. Et je pense qu'ils en sont conscients. L'école, les petits apprentis, accueillent en moyenne plus ou moins 135 élèves selon les années. Et c'est ce qu'on pourrait appeler une école familiale, où les enseignants prennent le temps d'adapter leur pédagogie aux difficultés de chaque élève, lui permettant ainsi de progresser à son rythme. Je tenais personnellement à les féliciter aujourd'hui pour leur engagement et le travail réalisé. Alors là, oui, je vais quand même terminer sur une petite phrase. Et oui, il fait bon vivre à l'arrêt. Mais je pense que je suis chauvine quand je parle de ma commune. Donc je vous remercie de votre écoute. Donc j'ai essayé de faire le maximum. Donc je suis Cécile Bourgois. Donc un grand merci déjà à l'équipe de circonscription qui a bien accompagné ce projet et qui est vraiment très au fait, qui m'a aussi signalé le grand engagement de l'équipe enseignante et particulièrement Madame Tomaso qui a des pratiques collaboratives qui sont remarquables et à souligner, je tiens à préciser. Donc voilà, c'était important pour moi même si c'est quasiment la première fois qu'on se voit. Donc voilà, c'est des choses dont j'ai connaissance également en circonscription. Mon parcours a fait que je suis passée aussi très longtemps par la case numérique. J'ai été une comme Paul, j'ai été conseillère départementale pour le numérique et j'ai été déléguée académique au numérique pour le premier degré. Voir un projet tel qu'un Fab Lab dans une école rurale, pour moi, c'est exactement comme ça que je définis le numérique éducatif. C'est-à-dire pouvoir expérimenter, pouvoir tester, et dans des écoles qui ne sont pas les premières, spontanément, à bénéficier de ce genre d'accès. Donc je trouve que ce projet prend tout son sens aujourd'hui, grâce aux opérations Canopé, grâce à l'accompagnement, grâce à l'investissement, grâce aussi au service de l'éducation nationale qui porte cela, par la voix de M. Léandry, entre autres, qui viendra intervenir juste après. Et je voudrais terminer sur quelques mots que les élèves ont partagés à Claudie Thomas, qui accompagne ce projet. Je trouvais très intéressant vos retours. Je m'adresse à vous, les enfants. J'ai entendu parler de mots tels que « on a réussi à être plus autonome »,« on a réussi à apprendre à rater », ce qu'a dit Madame le maire, et je rebondis là-dessus, c'est-à-dire le statut d'erreur, mais également on a plus d'idées qu'avant, on a plus d'imagination.
Et ben là, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les élèves pour résumer la valeur de ce projet. Voilà. Merci à vous tous. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Anne Guérin, je suis directrice de l'atelier Canopée de Lorient. Donc moi, je voulais vous présenter juste quelques éléments pour mieux comprendre ce que c'est le dispositif Fab Lab à l'école, dont l'école a bénéficié cette année. Donc c'est un dispositif national qui est initié par c'est une structure qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences de Paris. Donc il y a une convention qui a été signée entre Univers Sciences et Réseau Canopée, et cette convention a confié aux ateliers Canopée la mission de déployer les kits de Fab Lab au sein des écoles. Donc ça veut dire que les 102 ateliers de Réseau Canopée ont été équipés de deux kits de Fab Lab, et donc deux établissements bénéficient d'un prêt sur l'année scolaire. Alors l'objectif de ce dispositif, c'est de développer la culture scientifique, technique et technologique des élèves et des enseignants. Donc comment ça se passe concrètement? En fin d'année scolaire, un appel à projet est proposé aux écoles. Suite à cela, il y a deux écoles qui sont sélectionnées. Et ces deux écoles sont dotées donc d'un kit, d'un mini-kit de Fab Lab, qui comprend, je ne vais pas le dire parce que vous allez le découvrir après, voilà. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que Réseau Canopée accompagne les écoles, les équipes d'enseignants qui sont investies dans cette expérience, et les accompagne par le biais de formations. Donc cette année, il y a deux journées de formation qui ont été proposées, deux journées en présentiel. Il y a également des temps de classe virtuelle qui sont proposés, qui nous permettent de faire des points réguliers sur l'avancée du projet. Il y a une plateforme en ligne qui est également disponible, avec une communauté qui est assez vivante, et des tutoriels vidéo. Donc c'est tout un dispositif qui accompagne le travail des enseignants et des élèves au sein des classes. Et pour terminer, donc juste si on pouvait résumer l'esprit Fab Lab et l'esprit du dispositif Fab Lab à l'école, on dirait faites-le vous-même, faites-le ensemble. Et je pense que ça met bien en avant, d'une part, l'idée de test, de stéréotypage, qui est possible grâce aux outils numériques, et d'autre part, ça met également en avant les notions d'entraide et de coopération. Et donc un grand bravo aux élèves, la manière dont ils se sont investis dans le dispositif, et un grand bravo aussi aux enseignantes. C'est un beau projet. Bonsoir à tous, il m'appartient de conclure. Alors d'habitude, comme il y a déjà eu beaucoup de prises de parole, je vais essayer de ne pas trop redire. Je dis toujours que je vais faire court, ne croyez jamais, mais je vais quand même essayer de faire court pour qu'on puisse entamer la suite. Madame le maire, bonjour, madame l'inspectrice, chère Cécile, madame la directrice départementale de l'atelier Canopée, madame la directrice de l'école, mesdames et messieurs, bonjour. Donc moi je suis Jean-René Léandré, je suis inspecteur d'éducation nationale et je suis chargé par le directeur académique d'une mission départementale sciences, technologies, développement durable au niveau du Morbihan. Et c'est à ce titre que je suis ravi d'être parmi vous ce soir. J'excuse d'ailleurs l'absence de Laurent Blanès, le directeur académique, qui était retenu par d'autres obligations professionnelles. Madame Bosse, merci de nous accueillir dans cette belle école, hein, magnifique, pour célébrer les sciences et la technologie. Émile Zola, alors les élèves, je vous le dis, hein, comme vous ne sauriez pas encore, Émile Zola, c'est un grand écrivain français, vous verrez ça un peu plus tard, a dit « La science a-t-elle promis le bonheur ? Je ne le crois pas, elle a promis la vérité. » Et en effet, à l'école primaire, les élèves sont amenés à découvrir le monde, à le questionner, avec l'aide de leurs professeurs. Et leurs premiers apprentissages s'appuient sur l'observation, la manipulation, l'expérimentation et des enseignements progressifs qui vont du plus simple au plus complexe. Les élèves font ensuite l'expérience que les connaissances qu'ils acquièrent leur permettent d'apporter des réponses aux premières questions d'ordre scientifique ou technologique qu'ils formulent. De l'école maternelle au cours moyen, leurs connaissances en sciences et en technologie s'enrichissent et se consolident, leur capacité à raisonner s'affine, l'enseignement des sciences et des technologies revêt un enjeu culturel en soi, celui de la perpétuation d'un patrimoine universel particulier, fruit de l'intelligence humaine. Cela impose que soient posées très tôt les fondations nécessaires aux apprentissages en sciences et en technologie, qui se poursuivront tout au long de la scolarité des élèves. Par l'éducation aux méthodes scientifiques, la pratique du raisonnement et l'apport de connaissances, les élèves développent leur esprit critique,
et appréhende la distinction entre ce qui relève de la science et ce qui relève d'une opinion ou d'une croyance. L'enseignement des sciences et de la technologie contribue ainsi à la formation des futurs citoyens éclairés, outillés pour prendre en considération les questions vives qui bousculent les sociétés modernes. En effet, cet enseignement les conduit vers la compréhension de choix technologiques qui soient respectueux des ressources utilisées pour fabriquer des objets visant à améliorer notre quotidien. Cet enseignement poursuit par ailleurs les objectifs suivants: cultiver la curiosité des enfants, stimuler chez eux l'appétence pour ces domaines de connaissances en perpétuelle évolution, mais aussi susciter des vocations, autant chez les filles que chez les garçons, pour les carrières scientifiques et technologiques, afin d'assurer la pérennité d'une communauté scientifique de qualité, nécessaire au développement économique et social d'une société. Le rôle des professeurs, merci madame, merci mesdames, messieurs peut-être, je ne sais pas s'il y a aussi des enseignants, hommes, mesdames. Le rôle des professeurs qui transmettent ces savoirs et cette culture s'avère essentiel pour ouvrir en classe des temps d'exploration et de découverte scientifique. Une attention particulière est portée par les professeurs à une lutte contre le déterminisme concernant les filles en sciences et technologies dès le plus jeune âge. Au-delà des enjeux énumérés ci-dessus, l'enseignement des sciences et de la technologie donne l'opportunité d'avoir en classe des espaces de découverte et de plaisir partagé de ces découvertes, justement, entre le professeur et ses élèves. C'est pourquoi le Fab Lab à l'école, dispositif qu'a décrit Anne Guérin, répond totalement à nos objectifs de l'éducation nationale en termes d'apprentissage et de pédagogie. On voit se déployer une pédagogie du faire pour comprendre, du faire pour mettre en action le corps et l'esprit, du faire pour trouver une motivation au travers d'une pédagogie de l'engagement. Alors, où mieux qu'à l'école qui s'appelle les petits apprentis quand même, hein. il fallait presque le faire exprès, je me suis demandé si ça devait renommer l'école exprès suite au projet. Voilà. À quel endroit mieux que chez les petits apprentis, le Fab Lab pourrait-il trouver un meilleur berceau? Un très grand merci à toutes et tous, félicitations aux enseignants, aux élèves qui se sont engagés dans le projet, ainsi qu'aux conseillers pédagogiques et aux ERUN qui accompagnent les projets sur tout le territoire. Je conclurai par ces mots d'Anatole France, autre grand écrivain, enfin deux références pour le même jour, prix Nobel de littérature en 1921, qui disait « Ce qui est admirable, ce n'est pas que le champ des étoiles soit si vaste, c'est que l'homme l'ait mesuré. » Merci à tous et bonne visite. On va pouvoir démarrer les visites. Et aux enseignants de trouver le temps, l'énergie. L'élan pour faire des projets comme ça aussi intéressants. Et donc, merci. Et effectivement, on est très soudés et pleines d'envie. Et voilà. Merci avec la machine 3D, on a fait des choses. Ce sont vos fabrications, ce que vous avez fabriqué avec les machines. Oui. D'accord. Vous aurez le droit de partir avec. Chacun aura le droit de partir avec son petit objet. Oui, parce qu'il y en a qui ne sont pas encore faits. Oui, enfin, ils vont arriver. D'accord. Et comment est-ce que ça s'est fait? Regarde, il explique toi. On a fait sur l'ordinateur. Après, on a fait du coup. Après, Morgane, notre maîtresse, elle a mis sur son ordinateur. D'accord. D'accord. Et elle est où cette fameuse machine là? Vous me montrerez après? D'accord. C'est un sacré style. Bon. Vas-y, Lana, explique-nous la carte micro. Après, par exemple, tu mets un résumé, tu mets un D'accord.
Et donc à partir de la tablette, vous programmez finalement les petits appareils. Et donc c'est ce qui fait qu'on a une croix plutôt qu'un carré, plutôt qu'un rond. Et qu'est-ce que vous savez vous a apporté ça nous a fait apprendre un peu dans les ça nous a fait apprendre les logiciels. Oui. Et ça t'a amusé, toi? T'as trouvé ça rigolo comme projet? Donc, vous êtes en CM1? CM2, les trois ans. Et est-ce que, par exemple, vous avez eu l'impression que ça vous a aussi aidé en mathématiques, ou en français, ou à bien parler, par exemple, ou à apprendre à présenter? On a présenté un petit peu, ça c'est un petit peu. Bon, c'est pas mal. Très bien, on vous suit, on continue. On a fait un petit peu, et il y a aussi des images avec. Donc, ça, est-ce qu'on est plutôt sur une activité artistique? D'accord. Plutôt que finalement, c'est pas technologique là. D'accord. Dans ce que vous avez collé, rien n'a été imprimé. Non, c'est des objets du quotidien. D'accord. Impression 3D. D'accord.